là. Moi, j'aurais plus besoin de ça. Bon. Nickel. Non, non, là, 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 je tourne trop en rond dans Tomb Raider. Je suis désolé. Mais c'est... Même moi, je m'auto-soule. C'est contre-productif. J'arrive pas à... La seule véritable avancée, c'est les foutues trappes. Quand j'ai compris la mécanique des trappes, et encore, c'est pas clair. J'ai cru comprendre que j'ai fait un mouvement avec Lara Croft dans un sens précis qui fait que le feu continue d'alimenter et faire tourner les rouages complètement. Alors que si je prends dans un sens contraire, ça va, je sais pas pourquoi, par la magie du démon, le mécanisme s'arrête, ce qui est pas une bonne chose. Oula, oui, je suis obligé de me faire mal là. Mais je suis en train de faire l'étage supérieur de la bibliothèque, c'est la violence. Wally Walou. Attends, je vais éviter de me foutre la lumière vraiment en pleine tronche parce que c'est saoulant. Bon, en même temps, vous pouvez me voir, mais à l'idée d'avoir vraiment en pleine tronche, je préfère l'avoir de manière en biais latéral. Ça passe mieux pour moi. Alors, désolé pour ceux que j'ai fait fuir. Évidemment, je vois que mon compteur de spectateurs est tombé. Il est en train de descendre, mais bon. La règle d'or sur Twitch, c'est savoir se faire plaisir quand on est diffuseur. Ce qui n'empêche pas de faire plaisir aussi au public, évidemment. Ah, la flotte. Oui, je fais nimp, je me suis fait un établi, mais bon, bref. Éventuellement, ouais, faire des échelles. Que non, les échelles c'est des bâtons, bah oui, je suis bête. Message de FunFan 1992, l'image est figée au call lag. Ah. L'image est figée, ça lag. Comment est-ce possible? Merci pour l'info fun fan, je regarde. Pourquoi il a merdé là? Ça devrait être bon là. J'espère que le souci... C'est revenu à la normale, ok merci, ouais. Ouais, bizarre. Ouais. Oh. Échelle. Tac, tac, tac.
Ouais, l'étage supérieur sera particulier et puis il y aura moyen d'y accéder, voilà. Là, il va falloir que je passe le toit, je sais pas trop comment, la bibliothèque. Je sais pas trop dans quelle matière je vais la faire. Ouais, je pourrais faire une belle trappe. Trappe en sapin, ça peut être pas mal. Ah ouais, mais elle est pas. J'aimerais la poser dans le sens opposé. Voilà, là c'est mieux. Là ça fait stylé. Là j'aime beaucoup. Ah. Réfléchissons. Il est un zombie. Ah merde. Ah bah du coup oui, avec sa chair putréfiée, je me trouve avec un trop-plein dans mon inventaire là. Ah, et du coup ça me fait beaucoup trop de bois. Ça me fait beaucoup trop de bois. Pardon. Ouais, je vais retourner dans le. Je vais en déposer un peu dans l'entrepôt de bois. Oh, ce cri! Ce cri dans le titre! Enfin bon, c'est le Capharnaüm. Un groupe parisien, le Capharnaüm, pour ceux qui savaient pas. Ouais, les dalles diorites vont me permettre de faire le tour. Je vais faire comme ça, puis j'en prendrai davantage, mais si j'en ai pas assez. Ouais, j'ai pas mal de bois, donc. Ouais, je vais faire un toit stylé à la bibliothèque. Et dans mon coffre. Oh non, je le prendrai après. Ouais, non, mais enfin, je vais y aller aussi. Mais dans mon coffre, j'ai. Ma maison, j'ai des vitres blanches. Ah, je continue de poser des vitres blanches à la bibliothèque. Merde, Oum! Je me suis fait piéger, merde, par mon propre escalier en colimaçon. Wow, c'est haut quand même. J'aurais presque pu.
Comment vais-je procéder? Que je dispose intelligemment de... Merde! Non! Ah, la bûche, je l'ai mise trop haute. Décidément! Décidément, c'est la malédiction! Ouais, et puis éclairage, il faudra que je mette vite des lampions. Oh, la pluie a cessé avec une violence. La nuit est devenue subitement calme. Attends, c'est quoi ça là-bas? Oh mon dieu, j'étais un creeper. Ah oui, on voit ma barque. La bonne blague. Les bonnes blagues. Ouais, j'avais fait 3 de haut. Moi j'ai des pommes comme disait le regretté Jacques Chirac. Attends, il faut que je me rassoie mieux. Oh, c'est musique. Shop chez Kodalek. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef.
C'était si spontané. Même Westbot se... Oh là là. Allez, le serveur. On voit que tout est... Vous voyez comment c'est classé chez moi à heure fixe. Clac, clac, clac. Westbot, le serveur Minecraft, c'est par heure. Clac, clac, clac. Oh mon dieu. Ça, c'est une démonstration de force. Un truc de fou. Ah... Tcha 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 tcha. Navré de vous décevoir, mais point de fouet par ici. Sauf si Nash est de passage, il pourra éventuellement vous prêter le sien. Mais on l'a pas vu depuis un petit moment, il ne vient plus aux soirées. C'est bien, je suis ravi. Je pensais pas que t'adhérerais autant au son de la commande. C'est beau! Avec le soleil planqué derrière l'iceberg. C'est trop stylé. Ah, bonjour monsieur Poupon, ou re, je sais plus si on s'était vu tout à l'heure, je sais même plus. Ah, demi-heure porteur, tout ça, ouais, ouais, non mais ça va. Quand je vais attaquer la partie bibliothèque, ouais, ouais, les murs porteurs vont arriver. C'est vrai qu'on fait pas forcément dans la logique de la construction, mais ça va se faire. Ouais, c'est vrai que là, ça fait peur, là. Ça fait peur, je suis d'accord. Alors c'est là où je faisais justement le distinguo un jour précédent entre Minecraft et Seven Days to Die, 7 jours pour mourir, où il y a une logique similaire de construction par bloc, sauf que dans Seven Days to Die, il y a vraiment une logique beaucoup plus réaliste et sévère de la physique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire pendouiller un truc trop lourd sans base solide en dessous, sinon ça s'écroule et vous récoltez des gravats au sol, en plus de vous blesser s'il y a quelqu'un en dessous. Alors ça, dans Minecraft, c'est pas géré par défaut. Je crois qu'il y a des mods qui le font, mais ça bouffe une puissance de calcul monumentale. Mais je suis parfaitement d'accord par rapport à... À ce que nous relève Monsieur Popin.
Pareil, monsieur Poupon, du côté de la Bretagne, il y a des vagues su successives de flotte. Mais je veux dire, de manière correcte, c'est pas tout qui tombe d'un coup et que ça ruisselle au sol. Là, la Bretagne arrive à se réhydrater, là. Voilà, les vitres, je les remettrai plus tard. Merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Nimp. Du coup, il s'est tombé en contrebas, c'est pas malin. Je taquine, hein, c'est Minecraft. Heureusement que l'on n'est pas obligé de faire des calculs de charge. Mais justement, calcul de charge entre guillemets qui sont pris. Justement, c'est intéressant de la remarque parce qu'il y a le distinguo par rapport à au moteur physique des jeux en fonction des jeux. Et vraiment, là, la remarque était très pertinente. Ce que j'ai fait, ça, dans. Encore, j'avais les quatre piliers à chaque angle. Mais j'en aurais mis que trois, j'aurais eu un angle qui se serait effondré dans Seven Days to Die. Vraiment. Alors la Bretagne, je sais pas, mais les Bretons sont rarement déshydratés. Excellent. Ah mon Dieu. Aïe 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 aïe. J'ai un peu de. Tant pis, je vais me péter les chevilles. J'ai un peu de bois de bouleau dans le. Faudra que je rapatrie du bois de bouleau ici. Obligé. Je vais essayer de me faire des panneaux de bois de bouleau dans dans la bibliothèque. Je sais pas, il y a des endroits où je pourrais faire des fenêtres. Ouais, là ce serait idiot de fermer parce que. Après, je suis pas obligé de faire un truc systématiquement symétrique. Là, il y aura sûrement un bâtiment là, donc je vais. Ici, je vais condamner parce que je sais qu'à terme, il y aura. Le mur va me servir à afficher des trucs, ne serait-ce qu'une carte géographique ou autre chose. Ça va forcément servir. Ouais, je sais, je suis très pertinent comme garçon. Eh là là, l'essentiel, c'est que ça aille bien. C'est le plus important.
Réfléchis, je me fais une fenêtre là centrale, une grosse fenêtre. Ouais. Ouais, le reste, je vais murer en énorme. Faire une petite fenêtre comme ça, c'est pas mal. T'as déjà acheté le rococo? Oui, du coup, l'escalier, il va falloir que je gère le... d'arriver proprement. Voilà. Ça là, ça empêche de faire un... une action suicide. L'horreur. L'horreur. Donc là, je peux mettre une fenêtre. Eh, je suis content de ce que je fais. Ça me plaît bien. Je suis inspiré, on a bien fait de rebondir sur Minecraft, hein, parce que les aventures de Lara Croft, là je suis désolé, mais je séchais lamentablement sur les énigmes. Ce sera pour un autre jour. Autant là, voyez, Minecraft, je pars en roue libre. Je suis... Ouais, c'est bien. Ouais, monsieur Poupon. J'avais... Ah, je me souvenais pas, tiens. Je ne me souvenais pas. Qu'est-ce que je fais? Je mets fenêtre, là. Je m'arrangerai pour que l'étage supérieur, cette façade, soit pas obstruée par notre bâtiment. Histoire qu'on ait une belle vue. Là, c'est facile parce que c'est le début de la construction sur la plateforme, mais après, ça va être tellement tellement vil que... Eh ben, c'est pas mal, ça a de la gueule, mon truc. Elle me plaît bien, la bibliothèque municipale. Ah, il faut peut-être que le plafond, comme ça, il est un peu... Je suis pas... Ouais, là, je suis pas chaud pour le plafond, là. Je m'amuse à mettre le bois de boulot au niveau du plafond. Attends, 1, 2, 3, 4. Ouais. Je fais un truc alterné. Je mets un truc là. Et je mets un truc là. Voilà. Pour faire un semblant de symétrie, clac-clac, ça peut être bien. Là, j'ai pas mal du bois de la jungle.
Hey, on va faire un truc artistique stylé. Deux comme ça, deux comme ça. Non! Encore que. Ah, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, mais pourquoi pas? Et c'est là que notre amie québécoise Erika revient et nous dit, c'est asymétrique. Pardon. Ah, j'ai craqué. Ah, on l'embrasse, Erika. Ah là là, c'est bien, elle nous a sacrément bien fait la causette tout à l'heure. Pendant 4 heures au moins, je crois. Oh là, c'était un régal. Hé, il y a quelque chose avec ce plafond. Ouais, je suis inspiré aujourd'hui, c'est cool. Je pense plus avoir besoin de l'établi ici. J'ai fait la plupart des combinaisons. Alors attends, l'escalier. Pouc! Ouais, je suis au rez-de-chaussée de la bibliothèque. Le lit, il va falloir qu'il gicle aussi. Parce que non, le lit servira pas. Le lit servira pas dans la bibliothèque. Le lit servira plus tard, donc je vais le foutre dehors. Je vais balancer le lit dehors. Hop là, voilà, boum. Le lit mystérieux. Attends, c'est quoi que je vois là-bas? Ça fait peur. Ah, ok. Les monstres apparaissent puis disparaissent. Elle est correcte, hein? Capture d'écran pour sauvegarder. Bibliothèque municipale. Ouais, c'est pas mal. On va voir de loin ce que ça donne, mais... Bon, c'est vrai que la façade là, quand on arrive, fait un peu peur parce qu'on se dit merde, il n'y a pas beaucoup de fenêtres, mais bon. C'est. Où est-ce que j'avais rangé mon surplus de lampion? Enfin, de lanterne. Je sais que j'en ai, mais où? C'est pas là-dedans. Ça doit être dans le coin, non? Où est-ce que je les ai rangés? Faut que je fasse travailler ma mémoire. J'y crois pas. Entrepôt, j'y crois pas. Je les aurais rangés chez moi? Non. Merde! Bah les lanternes qu'on voit au plafond, j'en avais plein. Où est-ce que je les ai rangées? J'en avais presque deux lots de 64. Si je sais où c'est. Merde, c'est pas du tout là, c'est à la baie aux tortues. C'est le dernier endroit où j'ai joyeusement, j'allais dire torché, non justement. Disposer des lanternes et éclairer la zone. C'est à la baie aux tortues, faut que je retourne là-bas. Encore que. Pardon. Excusez-moi. Encore que rien ne m'interdit, j'ai suffisamment de ressources pour en générer d'autres ici. Je vais faire. Ouais, le voyage est pas. Sauf si je ramène du bois de bouleau. J'en ai pas besoin maintenant, je vais générer des lanternes ici. J'ai largement les ressources. Largement. Ouais, je vais prendre une moitié de lingot de fer. Pardon, que je vais transformer en. D'ailleurs, hop, du charbon, je vais me faire des torches. Voilà, je vais me faire des pépites de fer. Et je vais me refaire des. Merde, j'ai plus de place. Elle est bonne celle-là. Oh bah tiens. Ah! Merdoum. Attendez.
Les torches aussi. Il faut que je me dépose plusieurs trucs. Là, ça va plus. Là, je sature. Le bois, le bois, le bois. Lanterne. 24, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Ouais. Je vais déjà me satisfaire de ça. Parce que placer 24 lanternes, faut quand même y aller. Même ici. Parce que c'est un peu incohérent de foutre des torches sur des murs de bois. Un peu ma boule, le mec. L'énorme incendie, bonjour. L'énorme incendie, bonjour. Ouais, pour l'entrée. Ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Attendez, que je refasse l'éclairage de l'étage, mais dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art et du cochon. C'est pas mal. Ça m'a l'air d'être à peu près éclairé partout. Peut-être éclairé juste sous la... Ouais, c'est l'escalier en climaçon. Qu'est-ce que j'entends en... J'entends un blablabla dans Minecraft, je sais pas ce que c'est. Oh mon dieu, il va y avoir des monstres qui vont se générer là. Je vais prendre des risques. En attendant. Oui, on est sur du Minecraft. J'aime beaucoup Retéo. J'aime beaucoup Minecraft. Je mets plus la lanterne là. Pourquoi? Parce que en fait ça correspond à ce qu'elle soit justement qu'il y ait la lumière qui parte à la verticale en bas au niveau de l'escalier. Au moins je suis sûr que j'aurai même pas de monstres qui iront générer dans l'escalier en colimaçon. Ça peut paraître tout bête hein, mais ça a son importance dans l'algorithme Minecraft et ombre et lumière et génération des monstres. Finalement, je vais la mettre ailleurs, la lanterne, là. Je vais la mettre ouais, plus près du bord. De l'angle. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Ouais, ça m'a l'air d'être bien. Alors, en haut. Là, on est entre guillemets dans le grenier de la bibliothèque municipale. Donc, je vire les torches, car par cohérent dans un environnement boisé. Enfin, en bois. Voilà. Ah, tu as rejoué avant hier, sachant que c'est un petit monde qui n'y avait pas rejoué. Alors, je préviens, moi, c'est la version vanilla. J'ai connu les mods, il y a des trucs merveilleux, mais c'est trop lourd et chiant à gérer. Et aujourd'hui, la version vanilla, donc c'est-à-dire d'origine sans les mods, Minecraft est vraiment bien abouti. Donc moi, ça me suffira pour le temps que j'y consacre désormais. Il y a largement de quoi faire des beaux trucs. Ce que disait même Nashevman, enfin me disait tout à l'heure en antenne dans le chat du jeu, qu'il y a des biomes maintenant à découvrir, il y a des compositions magnifiques, c'est des vrais tableaux vivants. Et en plus de ça, en plus de la partie aventure qui s'étoffe énormément, voilà, si vous avez de l'imagination comme pour jouer au Lego, il y a des combinaisons à faire, il y a des trucs de fou quoi. Et honnêtement, moi comme joueur inspiré, je me trouve un peu au-dessus de la moyenne. Il y en a, c'est des artistes, ils vous font de ces machins.
c'est waouh. Ils peuvent signer sans vergogne en bas à droite. C'est des chefs-d'œuvre. Ils vous pondent des chefs-d'œuvre, les gars. Enfin, je dis les gars, c'est pas une question de sexe. C'est les artistes, voilà, de manière générale, vous m'aurez compris. Ouais, le petit truc, la petite fantaisie au plafond, j'aime bien. Les deux lanternes liées, c'est rigolo. Par contre, honnêtement, je sais pas si le dernier étage de la bibliothèque me servira. J'y glisserai peut-être quelques tonneaux pour des stockages. On verra. Tibidibidou. Non, je mettrai pas de... Bon, ça manque de livres pour une bibliothèque. Ouch. Il vient de me manger la lanterne dans la tronche. Voilà, il me reste encore 12 lanternes. Lanterne que je pourrais disposer au final là, quoi, ouais, au niveau de la façade presque. Ah merde! J'ai pas mis au bon niveau. Je suis un ego. Oui, bah, je peux faire ça. Eh, pas mal! Pas mal du tout. Il y a de l'idée. Merde. Ouais, je peux pas dessus. Un livret, hein. Un livre, ça m'étonnerait. Un livret, je pense, en quelques pages, peut-être, ouais. Mais tu t'es pas renseigné sur la page Wikipédia du jeu Monopoly, FunFan? T'as peut-être l'historique de création du jeu? Oui, Nachevman. Ah, au fait, tu as vu la petite vidéo que j'ai postée sur le Discord de Christella? Le gars a fait en accéléré la construction des jardins de Babylone. Ah non, merde. Oui, non, j'ai pas vu. J'irai reflâner la semaine prochaine sur les Discords de chacun. Je ferai plus ça la semaine qui arrive, là. Non, j'ai pas vu. Un gars a refait les jardins de Babylone. Ou encore que ça me dit quelque chose, parce que j'en avais parlé spontanément. C'est le projet qui me tient le plus à cœur, le plus gros des projets sur Minecraft que j'ai toujours pas fait. C'est essayer de refaire les jardins de Babylone. Mais ouais, j'irai voir volontiers Nachevman. Maintenant qu'on en parle, je finis par avoir un doute. Est-ce que j'avais pas regardé? Ou j'avais vu la miniature de la vidéo et c'était un truc absolument bluffant. J'ai peut-être pas pris le temps de regarder la vidéo, je crois. Mais je me souviens du miniature. C'est possible. Mais merci de me le rappeler, Nash. Je regarderai ça avec intérêt. Voilà. Ouais, après je verrai au niveau de la route. Et, je voudrais pas dire, mais je trouve des allures de resto chinois, ma bibliothèque municipale. Là, avec des angles comme ça, franchement, ça fait resto asiatique. J'ai l'impression que... Ouais, franchement, il y a des airs de resto asiatique. Merde, c'était pas l'effet escompté, mais bon. C'est bien jar. Les boucs.
bouquins. Les bouquins sont là. Là, je pourrais presque mettre des trucs là, je sais pas encore. Je serais peut-être plus inspiré en haut. Surtout que j'avais une idée en fait à faire. Le vide là va être comblé comme ça. Je vais peut-être pas mettre jusqu'en haut, je vais peut-être mettre un... Ouais, mettre des dalles de couleurs différentes, je sais pas, je verrai par au-dessus. Oh, avec la vitre, ça va être délicat. Ah. Bah, tu ne sais qu'à retrouver la dite référence en fait, Nash. Et qui redonne l'info culturelle. Wally, Walou, que veux-tu? Non, tant pis pour le fond en joli bois. Je vais faire comme ça. Alors... Ouais, ça donne de la profondeur. C'est tout bête, mais il y a un effet de perspective qui est pas mal. Puis ça casse un peu le côté justement cubique de Minecraft. Il y a quelque chose... Même avec le bois de sapin, là, je pourrais presque... Ouais, faire des boutons. Ça pourrait être pas mal comme... comme meuble. Voilà, c'est tout bête, hein. Non, c'est des boutons, mais... Il y a quelque chose d'artistique. C'est vrai que placer d'autres bouquins va pas être évident. Ouais, je... Ça casse pas des briques, ouais, comme dit une scène. Attends, je réfléchis à quelque chose dans la logique Minecraft. Oui, merci Nashman. Mais je cogite. Je suis en train de cogiter là. Attendez. Je sais pas si dans cette version de Minecraft, il y a moyen de faire un coffre caché. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir.
D'ailleurs, il va falloir que je pose du bois classique et pas des étagères de livres. Parce que si je me loupe, péter une étagère de livres revient à récupérer un ou deux livres, mais pas l'étagère elle-même. À moins d'avoir une hache touchée de soi, je crois. Mais... attendez. Faut que je teste un truc. Si je fais Du coup, je me demande si je vais pas délocaliser la trappe vers le haut. Parce qu'il serait peut-être plus pertinent que je la mette ailleurs. Peut-être là, par exemple. Je sais pas, je verrai. Par rapport à... aux accès aux escaliers, peut-être. Mais... attendez. Si je fais un truc comme ça... le coffre, je le mets là. Je fais ça. Non, pas ça. Si je fais ça... le coffre, on le voit encore ou pas? Si on le voit, on peut plonger la main dedans. Mais ça se tient. Ça se tient. D'ailleurs, le coffre, je vais le mettre dans un autre sens. Ah, bisous, à plus, monsieur Pompon. Bah, peut-être à soir, oui, je crois qu'il y a diffusion de la suite de Days Gone. Donc, si c'est le cas, à soir, sinon à demain ou à la prochaine. Pompon, merci d'être passé, c'est gentil, tout plein. Bisous. Du coup, je suis parti dans ma réflexion là. Je suis lancé. Tac, 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 tac. Ce qui fait que. Non, je peux rajouter. Rien ne m'interdit de rajouter des bouquins là. Faut vraiment que je fasse gaffe où est-ce que je donne des coups de hache, hein, Pascal. Sinon, je bousille la bibliothèque. Hop là. Ouais. Ouais, le truc au-dessus. Si je fais... Ah si, ça se tient. Ça se tient. Merde, j'ai plus de bois de... ah! Il faut que je descende faire des dalles de sapin. Oh la vilaine! Suite et fin, il a commencé une semaine. Ouais, ok, cool. Bah, à ce soir, monsieur Pompon, ouais. Ça va être cool. Bah d'ailleurs, sachant que je déclare mon tableau mystère à 21h, à mon avis, derrière le tableau mystère... ça va s'enchaîner. Je pense que voilà, c'est le relais de challenge, le fraîcher Poupon. C'est pas du sûr à 100%, mais la probabilité est élevée. Je pourrais même foutre un petit coffre là aussi, hein, c'est vrai. Par rapport à l'escalier en colimaçon.
Enfin, je reverrai après. Établi, 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 établi. J'avais dit quoi? Des dalles de sapin. Je vais peut-être en reprendre encore un peu. On sait jamais. On sait jamais. Là pour le coup je vais véritablement planquer des bouquins là dedans. C'est rigolo. Là je mettrai sûrement un tableau avec deux chaises pour lire peinard. Avec une fausse table j'ai envie de dire. Ouais. Ça peut se faire. Ouais. C'est ça. Ding. Voilà. Et puis oui, pareil, il me faut toujours un établi pour faire du mobilier. Oh, je vais faire 2-3 chaises symboliques, c'est-à-dire on peut faire des escaliers avec des écriteaux sur les côtés, ça fait fauteuil. Ça fait fauteuil. Ah, je vais peut-être essayer d'en avoir 8, non? Voilà. Là, je vais essayer mince nom de les écriteaux, c'est là. Si j'ai 8, 16, 6, 9, 12, 15. Bah, j'aurai du rab. J'aurai du rab. Peur que non, j'avais. Mais non. Mes sièges vont être accolés au mur. Quel abruti je fais. J'aurais pas besoin d'autant de panneaux. C'est pas grave, c'est pas perdu. Hein. Les ressources là sont pas perdues. Alors, ça, c'est un classique Minecraft. C'est simuler un siège ou un fauteuil. On le suggère comme ça avec des escaliers. Et au mieux, vous y accolez un panneau sur le côté. Vous mettez rien, hein, mais. Mais j'aime bien, vous mettez rien. Moi, j'appuie, j'ai un bug de. Et voilà, ça fait siège. Là, pour le coup, on s'y croirait. Ça fait coin lecture. Faudrait que je mette vraiment un tableau, là, ça va être trop bien. Je sens que je vais décaler la montée du dans le grenier. Ou alors je la mets dans le sens opposé, éventuellement. Ouais, ce sera pas plus mal. Merde. Je suis tombé, bien fait pour ma tranche. Donc je remets la trappe en sapin, hop, au-dessus. Vache, je trouve qu'il fait chaud quand même. Je sais combien j'ai. Ah, j'ai encore. J'arrive à stabiliser à 27 chez moi, mais j'ai vraiment chaud là. C'est. Il y a un autre paramètre qui va pas, du genre l'humidité chez moi. Il y a.
Il y a quelque chose qui finit par me déranger. Il est quoi? Ouais, presque 19h. Je vais peut-être pas tarder à rouvrir mes fenêtres parce qu'à mon avis, il doit faire plus chaud chez moi qu'à l'extérieur. J'ai encore à attendre un peu, mais on va dire que je vais pas tarder à ouvrir les écoutilles. Enfin, c'est pas la l'expression consacrée, mais bon, vous m'aurez compris. Alors, tac, tac, tac. Ah, je fais pas un meuble tout haut là, j'ai changé un peu. Ouais, là comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Finalement. Oui, ça dérange en rien. Oups! Elle a lâché prise, cette nunuche. Elle est bonne. Aïe aïe aïe. Hop, petit coup en lecture planqué là. Voilà. Me reste quoi? Il me reste 15 étagères de bouquins. Ah, il y a moyen de faire quelque chose. Je sais pas trop comment. Il me reste 9 bouquins, je peux pas les mettre en bas les 9 bouquins. Oh là, c'est comme un beau mur en écorce de bois. Ça me ferait suer de le sacrifier, quoi. Ah, je suis un truc culotté, peut-être. Ou pas. Je sais pas. C'est vrai que là, c'est pour avoir surtout accès à l'enchantement direct, mais. Ouais, non, je. Bon. Ouais, non, après ça se tire pas mon truc. Que faire? Je peux faire un autre coin lecture aussi, je pense, ici. Si là je fais un truc, une colonne de bouquins, où est-ce que j'y pose les sièges pour la lecture? Parce que là c'est une voie de passage, une voie de circulation. Donc Oh. Ouais, je peux. Mettre aux angles, pourquoi pas? Pourquoi pas après tout?
Hop là. Si, il y a un côté mignon. Il y a un côté mignonnet. Par contre, là, je mettrai pas les panneaux puisque ils vont se, il va y avoir collision entre deux panneaux pour un même cube, ça se tient pas. Donc là, c'est un peu différent. Donc j'ai fait beaucoup trop de panneaux, mais ils sont pas perdus, c'est pas grave, ils serviront à autre chose. Ou alors je fais des vannes, je fais des faux panneaux au-dessus des colonnes, je dis ça c'est de la philo, ça c'est des notions de droit. Ça fait être rigolo les sciences ou je sais pas quoi. Ça peut être pas mal. Ouais, mais du coup, elle. La lanterne, ouais, elle est. Elle est pas forcément bien placée, du coup. Et puis là, j'ai plus de. Là, ça fait vraiment colonne à bouquin, le truc de fou, quoi. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou alors comme ça. Là pour indiquer l'entrée, ouais. Tac, et puis finalement, ouais, celle-là, je la mets là. Ouais, ça va, il y a une certaine symétrie. C'est... Ça se tient. Voilà. Oh, il m'a une bibliothèque. Oh, je la garde pour un tout autre bâtiment. Bah, je sais pas, je la mettrai ailleurs. Même moi, j'ai la chance d'avoir ma bibliothèque privée. Ouais, là, la petite dans l'angle. Les bouquins à moi. On va essayer de mettre des tableaux dans la bibliothèque. En déco. Ouais, laine blanche, mais il m'en faudrait plus. Il m'en faudrait plus. Ça va pas aller loin. Ça va pas aller loin. Donc là, j'ai pas. Ah, si, j'ai de la laine en soi. Si, merde. Si, donc plus tard, je reverrai les ficelles. Parce qu'en fait, en groupant de la ficelle, je peux faire des cubes de laine. Hein. C'est exagéré, mais. C'est. La combinaison est acceptée dans Minecraft. Pour ceux qui ne connaissent pas, pardon. Attends, pourquoi j'ai ma porte? J'ai une porte qui s'est refermée. Peut-être pour ça aussi que j'ai chaud. Parce que l'air circule mal chez moi. Et 8 tableaux. Pour une bibliothèque, j'ai dit que 8 tableaux, c'est bien payé. Ah bah, les pancartes pour faire les thèmes. D'ailleurs, s'il y a des idées qui vous inspirent dans le chat, vous me dites. Je pensais à la philo, aux bouquins de droit, je sais pas, des bouquins de cuisine. Juste pour l'imagination des catégories de bouquins. Et encore, c'est une petite bibliothèque, hein, c'est pour.
Bon, je sais pas si ça vaut le coup de mettre un tableau là. Là, ça peut être rigolo, un petit tableau. Un petit, j'ai dit. Ouah, qu'est-ce qu'il vient me mettre un énorme tableau. Il est fou, lui. Faut que je triche avec de la terre, mince. Oh. Alors ça, c'est la logique bizarroïde de Minecraft. Les tableaux, c'est parfois, c'est trop bizarre. Là, je m'en fais un cache-fenêtre, je triche. Comme si j'avais mis depuis l'extérieur, mais après, c'est des volets en bois. J'ai pas de la terre là, merdoum. J'ai quoi d'ailleurs là chez moi? Ah, j'ai des tonneaux. Ah! J'ai beaucoup de pierres taillées dans le tonneau là. Faudrait que je m'en rappelle. Ce serait dommage de bouder la ressource. La terre, la... j'espère que j'ai pas les fantômes avec moi. Faudrait que je fasse dodo au moins. Un de ces jours, je vais avoir les fantômes. Ce qui est arrivé à Nashevan tout à l'heure. Ça y est, mon cerveau est en train de bugger. Ça y est, je lâche prise. J'ai un lâcher prise, je sais plus. Je voulais faire quoi? Oh là là, dur. Prendre des blocs de terre pour caler les tableaux. Des blocs de terre pour caler les tableaux. Le code pénal. Ouais, pourquoi pas. Au niveau des bouquins de droit. Pourquoi pas, mon cher Funfan. L'ico du Pinel. Alors, je vais avoir un petit tableau, oui, ou crotte. Eh ben voilà. Que demande le peuple? Bah, c'est Mimi, ça, dans la bibliothèque. Bon, là, enchantement, on va pas toucher. Ah, là, je pourrais presque. Voilà, très bien. Ouais, puis le contraste, il est bon, en plus. Ça fait... ouais. C'est cool. Là, je sais pas si ça vaut le coup de mettre un tableau dans le... quelques maisons. Ça fait un peu idiot. C'est dommage qu'il n'y en ait pas un deuxième. Ah, voilà, merci. Un deuxième. Là, là, ça fait bien, là. Là, ça en jette. C'est... Non. Ah, il y a quelque chose. J'ai entendu mon pseudo au loin, il y a quelque chose. Non, non, Nashevan, non, non, nullement, tout va bien. T'en fais pas, tout va bien, tout va bien. Non, oui, tu, oui, à un moment, j'ai parlé de toi, Nashevan, c'est le coup des raies mentales dans le ciel, ce qu'on appelle les fantômes. Quand tu passes plus de 3 nuits sans sommeil et que t'es hanté. Et que ça te tue, puisque c'est des ennemis qui te génèrent des dégâts. Oh, là-bas, j'étais pas censé faire ça. C'est pas idiot du tout, mais... Ou alors pas comme ça. Comme ça. Non. Ah. Il va falloir que je remette le... Oui. Oui, oui, oui. Ah, il y a quelque chose d'agréable dans cette bibliothèque. Ça y est, elle commence à avoir une âme, cette bibliothèque. Il y a quelque chose. Merde, c'est pas là qu'il faut que je mette les blocs de terre. C'est là qu'il faut que je mette. Alors, attends. Non. Je vais y arriver. Non, pas deux fois le même, c'est ridicule. Y a pas autre chose en... Eh ben voilà. C'est parfait, ça. Ah. Et voilà. Et là, je voulais mettre un beau tableau, là. Merde. C'est l'angle inférieur, je crois, non? Non? Y a pas quelque chose de plus... Évidemment, il n'y a pas 3 sur 3.
évidemment. Ah bah oui, ça, je suis bête, ça compte pour un obstacle, là. J'ai rien dit. Eh oui, non, c'est vrai. Ah non, pas le boss du... Non, bah c'était bien. Au moins, la tête de mort, c'était pas mal. On l'avait pas eu. Ah bah, c'est... vous allez voir que je vais plus la revoir. Ou l'angelot, ouais. Mais sur l'angle. Voilà, allez, hop. Re, Bastos. Voilà. Eh ben, je suis dans la fantaisie. Je sais qu'on n'est pas nombreux, qu'on se compte sur le bout des doigts. Mais ça me fait plaisir. On va se faire un petit sondage. Vous allez me sanctionner d'un vote. Si le cœur vous en dit, hein, mais c'est parce que je fais mumuse avec les jouets de Minecraft. Mais de Minecraft aussi, de Twitch. Alors, cette bibliothèque. Génial. Correct. Bof sans plus. À fuir. Allez, zo. Allez. Et sinon, on ne se prononce pas. Allez-y, faites vos jeux. Alors, je vous représente la bibliothèque, voilà. On est à l'étage intermédiaire. Petit coin lecture. Petite déco avec le mobilier. C'est la bibliothèque municipale. Si on va en haut. Alors, c'est pas complété, mais il y aura, je pense, plus tard une réserve avec des tonneaux. Je pense que je mettrai des tonneaux. Et puis, je rangerai différents trucs. Peut-être des bouquins. Parce que je crois qu'on peut collectionner des bouquins dans Minecraft, je sais plus. Donc voilà, escalier en bois, colimaçon, tac, et le rez-de-chaussée. On rajoutera après les rubriques, évidemment la table d'enchantement, hein, dans Minecraft forcément c'est entre guillemets obligé. Petit coin lecture aux angles, voilà. Là c'est un bâtiment, j'en suis fier. On peaufinera tout à l'heure en rajoutant les rubriques des bouquins, c'est-à-dire philosophie, cuisine, code pénal, droit, voilà. Ouais, dans l'ensemble visiblement ouais, vous êtes enthousiaste. Ouais, correct. Ouais. Peut-être embellir à terme avec des petites touches à droite à gauche, du genre un pot de fleurs. Alors, j'ai pas encore de pot de fleurs parce que je rappelle qu'il faut que je trouve une source en argile. Mais je pourrais plus tard embellir les lieux avec pot de fleurs. Quoi d'autre, je sais pas. J'ai pas d'idées qui me viennent en tête. Mais déjà, les pots de fleurs, ça peut être pas mal. Peut-être de la moquette ici. Comme c'est un sol en pierre. Je pourrais à terme rajouter de la moquette. Il y aura peut-être une deuxième version embellie de la bibliothèque. Oui, et puis voilà, dans les votes, vous tendez vers le correct. On sent qu'il y a quelque chose qui peut encore être mieux. Je partage votre sentiment. Wally Walou. Bon, merci à vous d'avoir voté. C'est rigolo, juste pour savoir. Autant utiliser les gadgets de Twitch. Attendez, je me perds dans mes fenêtres du coup. Je suis en train de tout saboter. Ah, ma dieu. Ah. Elle commence vraiment à faire sombre là. Je vais. Enfin, sombre. Parce que j'ai les volets, mais. Je vais peut-être mettre la lumière artificielle. Je vais arrêter de me mettre ça dans la tronche. Attendez, je reviens. On va réadmirer l'étage intermédiaire de la bibliothèque. C'est le plus abouti, je crois. Ouais, la vue là, elle est pas mal. Ça mérite capture d'écran. Burp. Ouais, correct. Ouais. Alors, tigidi.
Je suis bien d'accord. Ouais, rajouter de la moquette en bas, un petit pot de fleurs, là par exemple, je remets un moment un pot de fleurs, je crois. Ce sera mieux. Ouais. Mais là, elle a déjà une âme. Elle a déjà quelque chose. Eh ben. Ouais, c'est sympa, ouais. Vu de l'extérieur, ouais, c'est bien. Le rendu est cool. Ouais, ça donne envie d'y entrer, c'est bien. Il y a quelque chose de chaleureux. Pas dégueu mon truc. Là, voilà, je suis satisfait du boulot. Ah, bon, bah, je continue à construire un petit peu la voirie, on va dire. Surtout tant qu'il fait beau dans le jeu. Mon bordelum, je vais surtout le ranger dans le bois là. Alors, tac et tac et tac. Alors, les egooks. Les egooks. Torche. Ouais, après il y a des trucs. L'acajou aura beaucoup servi, j'en ai quasiment plus. J'en ai quasiment plus. Ah bah non, je suis bête, j'en ai au-dessus. J'ai dit une grosse ânerie. J'en ai juste au-dessus. Voilà, hop. Ouais, je rajouterai quelques catégories dans la bibliothèque. Cette musique. Je vais dire bande dessinée bande dessinée, les mangas, les revues. On peut faire des vannes, les revues waifu. Oh mon Dieu. Oh que c'est con. Il fallait que je le fasse. Oh mon Dieu. Voilà. Bon, au moins ça s'est fait. Aïe aïe aïe. Alors, on va faire économie, droit. On va reprendre ta terminologie, fun fan. T'as dit quoi? Le code civil, ouais. Code pénal, ouais. Code pénal, code civil. Yeah. Là, on va mettre quoi? Science. Là, on va mettre roman. Hein. Roman et essai. Allez, zou. Ouais, pourquoi pas. Le gros délire. Je sais pas, qu'est-ce que je peux mettre?
Cuisine. Ici les arts. J'avais dit quoi? Philosophie. On va pas mettre que de la philo. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Anthropologie. Je sais pas si ça s'écrit comme ça, anthropologie. Sciences politiques. Sciences politiques. Je peux peut-être la mettre dans une même ligne, sciences politiques, non? Oui. Je sais plus si ça se met au pluriel, les sciences. Non, la science politique. Code de la route, on le rangerait dans quoi le code de la route? Bah oui, les codes, code civil, code. Oui, le code de la route serait là-dedans en fait, FunFan. Dans les codes, voilà, code civil, code pénal, code de la route, code de déontologie de telle académie, telle assemblée. Je vois bien un bouquin avec le titre Mille et une façons de torturer un viewer. Ah non! Oh mon dieu! Mais hey, tu sais que c'est le genre de truc que tu pourrais écrire dans Minecraft, là, chez Man. Tu peux éditer les bouquins, hein, moi j'aime bien le faire. Enfin, à une époque, j'adorais faire ça. Je sais pas si j'aurais le temps de faire des trucs fantasques aujourd'hui. Peut-être. Message de FunFan 1992. J'ai une demande anonyme d'un certain Bob M qui demande de la littérature érotique et porno troll. Oh! Ah bon, salut d'ailleurs, Bob Morlock. Il est, enfin du moins on lui souhaite, il est très probablement en vacances. C'est malin ça. C'est pas mal. C'est pas mal comme thème de... là qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, qu'est-ce qu'on trouve dans les bibliothèques? Les sports? On n'a pas mis les sports. Bah les sciences... Ah, on dit au pluriel les sciences politiques? Et pas la science politique. Va falloir que j'édite le merde. Va falloir que j'édite le truc. Sport. J'allais dire astronomie, mais astronomie fait partie des sciences d'une manière générale. Sport. J'ai envie de mettre sport et pratiques diverses. C'est rigolo. Ah mon dieu. Là, est-ce que je peux éditer un panneau sans le bousiller? Non, je peux pas. On a dit quoi? Philosophie, anthropologie, sciences politiques. Allez, on y retourne. On y retourne. Philosophie. Anthro... Merde, oh là là, j'arrive plus. Hein. Anthropologie... Science. Mais non, mais oh, mais mon clavier qui me trahit, c'est pas possible. Philosophie. Voilà, je prends le clavier. Oh, oh, oh. Attention aux fautes de frappe. Philosophie, anthropologie. Enfin, on dirait anthropologie, c'est aussi une science, mais bon bref. Sciences humaines. Ah, c'est peut-être mieux sciences politiques et sciences humaines qu'anthropologie. Sciences humaines. Ah, j'ai pas assez de place. Sciences politiques. Voilà. Je vais mettre sciences politiques et humaines. C'est mieux. Merde, il y a de l'orage dans le jeu. La musique, c'est vrai. C'est vrai, dans les arts, la musique. Allez, art. Alors, les arts, c'est-à-dire musique. On peut mettre le dessin.
dessin, ouais, voilà, là, les arts, voilà. Ouais, littérature diverse, poèmes. Oui, tu as raison. Les poèmes, les contes. Bon, excellent, je prends en H. Acheté, merci. Un livre qui pourrait s'appeler Les anecdotes des lives commentés du Sage de Fun. Ah, année après année, je crois qu'on pourrait avoir un beau bouquin. Peut-être même plusieurs tomes. Tu rigoles, et la vache, ça tonne dehors. C'est la guerre. Les Chuck Norris facts, mon dieu. Ouais, c'est rigolo comme ça. Bah, je vais peut-être pas en mettre partout. Tiens, si je mets un panneau là, est-ce qu'on peut accéder au coffre? Eh, c'est vicieux! C'est vicieux! Ah, ça me plaît bien. C'est vicieux. Ouais, sauf que là, je mets rien. Je sais pas, j'ai pas d'inspiration. Ouah. En fait, on voit peut-être pas qu'il y a un coffre. Vous, vous saurez, vous aurez vu l'épisode. Il y a un coffre de caché. Et là, je mettrai des bouquins dedans, des vrais. Je vais m'éclater à écrire des âneries et je mettrai tous les bouquins là-dedans. Le fameux poème de Michel. Le meilleur Michel qui a perdu son chien. Badi 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 boudi boudi boudi. Oh là là, ce déluge. Oi oi oi. Je sais plus. D'hiver. D'hiver. Ouvrage non classé. Bah, c'est bien tout ça. Merci à vous de m'avoir donné des idées, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je dirai à Bob que nous avons une boutique spécialisée pour ce type de demande troll. Non, j'avoue que le premier m'aura... Voilà, le premier j'étais inspiré là. Le... Bande dessinée, manga et revue waifu. Le premier, il rentre, le premier qui rentre, qui découvre, il va voir ça, qui quoi? Il va tiquer. Aïe, 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 aïe. Bon, les quelques morceaux que j'ai sur moi. Alors, je repose mon clavier sur la table parce que sur les cuisses, ça tient chaud. Oui, d'ailleurs, pourquoi j'ai gardé ça dans la tronche, moi? J'avais dit que je mettrais la lumière principale pour pouvoir voir ça dans la... Et puis en plus, elle est brûlante, là. J'ai la dizaine de diodes, là, qui est en train de chauffer à mort. Ah, bref, c'est cool, mission accomplie. Mission accomplie. Je sais pas ce que je vais faire d'autre avec ça, moi. Pa-pa-pa-la-pa-pa-la-pam. Ouais, moi je vais le mettre là en attendant. Pipi-dipi, oui, là j'avais des trucs. Bon, bah avec un temps de chiotte, je serais presque tenté d'aller. D'aller en sous-sol. Je pourrais me mettre en quête. Attention à ma hache qui va bientôt péter. Mais je pourrais me mettre en quête du bois de boulot. Donc je vais aller. Passer effectivement par les sous-sols, ou la tension à la foudre. Et me barrer. Alors j'ai jamais essayé, mais maintenant on peut faire un pas à tonnerre en cuivre dans Minecraft. Il y a un succès à déverrouiller d'ailleurs avec la foudre qui frappe le pas à tonnerre.
Mais je me suis pas encore amusé à ça. Ça viendra. À force de faire des bâtiments, je finirai bien par faire un gratte-ciel que je vais chapeauter d'un paratonnerre. Ça arrivera dans les mois à venir. Du bois de bouleau. On va partir un peu dans la nature. C'est pas plus mal. On va aller à l'autre bout. Alors le bruit du chariot va faire son vacarme, je suis désolé. Mais je me dis que peut-être que demain, le matin, je ferai Planet Crafter. L'après-midi, je ferai du camion. Mais pas que du camion, parce que ça fait un peu long. Si je tiens... Imaginez que je tienne l'antenne de 14h à 21h demain. Ce qui va possiblement se produire, je vais peut-être couper en deux. C'est-à-dire que je vais faire une première partie de l'après-midi du camion pendant 3-4 heures. On papote entre nous peinards. Et je fais un peu de Half-Life Opposing Force. Je pense que je vais remanier mon agenda. Et peut-être finir sur les bibis si on est nombreux demain soir. Sinon, j'aurai un petit peu les prolongations sur Opposing Force Half-Life. Et puis voilà, on se quittera là-dessus. Mais tout à l'heure, à 21h, le tableau mystère. Et puis je ferai très probablement le relais de chaîne chez je me suis occupé. Ça me rend un peu nerveux quand j'entends plus la musique. Je sais qu'il y en a, mais le niveau est tellement faible que... t'es de retour dans Half-Life demain. Demain, je referai du Half-Life demain en fin de journée. Parce que ce serait abusé que je vous fasse toute une après-midi camion, honnêtement. American Truck Simulator. Je vais pas en faire de 14h à 21h. Je vais en faire en gros peut-être de 14h à 18h. On va dire que de 18h, 20h ou 18h, 21h, je ferai du Half-Life à ce moment-là. Mais je vais réécrire mon agenda ce soir, t'inquiète pas. Après mon dîner, là, avant d'aller me pioter vers 22h30, 23h, je réédite mon agenda et puis vous pourrez le reconsulter pour que vous fassiez une idée pour demain. Bah, sacré programme, ouais. Tu sais, quand je suis en congé et que j'ai du temps libre, Nash, j'aime bien le jeu vidéo, donc autant que j'en fasse du matin au soir, quoi, que j'en profite. Donc ça va de mon lever à mon coucher, je m'arrange pour passer la journée complète dessus. Hein. Tu sais, quand je glandouille peinard dans mon coin avant que Twitch existe, c'est ce que je faisais depuis que je suis ado. Alors, on joue rassure, hein, s'il m'arrive de voir des copains, d'aller dehors, profiter de la vie en extérieur, je vous rassure. Mais j'aime bien, je suis assez casanier comme garçon. Ou alors c'est ça et je lis un bouquin toute la journée, quoi. Donc. Oh la vache, on voit qu'il fait gris là, on voit que c'est l'orage, c'est terrible. Alors attends, oui, Nash, t'es là, ok. Peut-être que j'attends que l'orage passe. Je vais marquer la position avec le lilas de secours. En attendant. Hop,
Alors les bouleaux, c'est les arbres là que je convoite. Moi j'ai mon café au lait qui vient me dire bonjour. Qu'est-ce qu'il y a café au lait? Pas content café au lait? Ah, l'orage s'est barré, c'est bien ça. Bah d'ailleurs, si je chevauchais... Oh. Ouais. Je vais prendre le risque de partir bûcheronner en expédition avec café au lait. Il y a une part de risque, mais en même temps, la vitesse de déplacement est non négligeable. Ouais, c'est bien, Nash, c'est cool. Quand tu me dis ça, je pense à téléphone. Métro, c'est trop. Point, point. Métro, c'est trop. Point, point. Oh, pareil, faudra que je finisse mon manoir ici. Je sais pas comment, il faudra que je termine le manoir. Mais j'avance bien. L'auberge au bout là-bas, elle est quasiment terminée. Il n'y a plus qu'à l'embellir aussi. Là, je viens de finir la bibliothèque municipale sur la plateforme. C'est bien. Franchement, le rythme est bon. Ouais, je vais partir vers là-bas sur le pont sec. Le pont sec qui est par-dessus le désert. D'où son nom. Tapati, pati, 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 patapatapoto. Oui, oui. Aussi bien un âne qu'un cochon que je peux effectivement étiqueter et baptiser une scène. Ça peut se faire. Ça peut vraiment se faire. Il y a très bien. Il y a parfaitement des cochons et des ânes dans le jeu. Ça peut se faire. Attention. Je suis pas sûr que Twinsen soit ravi, mais ça peut se faire. Ah voilà, il y a du boulot là-bas. Et ben voilà, il y a du boulot. Qu'à de le dire. Ah, il y a des moutes-moutes qui sont faits prisonniers. C'est vrai que le relief est assez accidenté, ça y est. Et café au lait, il est pas content. Mais c'est dangereux par ici, je suis d'accord. C'est plus vers là-bas qu'il faudrait que j'aille. Ah, je me souviens plus qu'il y avait un portail de l'Ender ici. Oula. Oula. C'est accidenté. Ouais, non, on va rester en aval, café au lait. On va rester en aval. Ouais. Oui, là c'est mieux. Reste là si tu veux. Ah, ouais, t'es peinard dans ton coin là, t'es très bien. Moi je vais aller prélever quelques arbres. Merde, homme. Et demain, donc, je vous diffuse entre midi et 2. Alors, c'est relatif. Je pense que je prendrai ma pause déjeuner demain de 13h à 14h, en gros. Et je vous mettrai la nouvelle compile. Je vais faire, je vais vous faire la diffusion de la nouvelle compile. D'ailleurs, si vous voulez déjà la télécharger, point d'exclamation boutique pour ceux qui veulent déjà rapatrier le fichier, je sais plus si c'est un MP4 ou un AVI. Enfin, si vous voulez télécharger la vidéo, vous pouvez. Ou MPEG, même. Point d'exclamation boutique.
Ah, tu sais grimper qui a fait au lait, hein. Attention. Aïe. Non, mais passe pas par là, je vais donner des coups de hache. Il est fou, mon cheval. Il est fou. Il va y avoir un accident. Les clins d'œil au docteur Botec. Message de FunFan 1992. Je me dis quel jour faudra créer un son à Docteur Boutique. Oula. Un son à Docteur Boutique. Franchement, le son en lui-même, je sais pas. Je sais pas ce que ça pourrait être. Dis-moi ce que ça t'inspire, FunFan. Essaye de me faire une description de son. Ou une phrase, je sais pas à dire, mais... Là, je vois pas. À toi de m'inspirer ou de carrément me pondre l'œuvre elle-même, FunFan. Je vois pas. Attention, ça va être bientôt la tombée de la nuit. Et il serait bon que je repique les boulots. Alors, repiquage de boulot. Voilà. Je vois bien une chanson du style dans le rythme de Tom Sawyer. Docteur Boutique, c'est un arnaqueur. Il t'aime bien que tu lui as pas acheté de produit. Ah, pourquoi pas. Le FunFan pont. Ah, mon Dieu. Mais non. Mais c'est scandaleux. J'ai loupé mon saut. Il commence à faire nuit. Je suis dans les bois. Il faut que je remette le grappin sur mon cheval qui s'est barré en hauteur. Midoum. Mais je t'entends hennir d'ici, café au lait. Enfin, hennir. Renifler. Café au lait, t'es où? Les monstres vont apparaître, il faut qu'on se barre. Canaillou. Il est où mon cheval? Il est où? Café au lait, je suis pas là pour jouer à cache-cache. Canaillou, te v'là, trouvé. Allez où? Touk 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 touk. Vite, faut qu'on descende, va y avoir les montres. Mais non, oui, bon, oui, t'as peur, j'ai compris. Ah, je suis d'accord, c'était la falaise, c'était du suicide. On va passer par là. Tiens, j'ai gagné une pousse de boulot que je peux planter. Alors que je suis à d'autres chevals. Doucement, 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 doucement. Allez, on file. Tac, 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 tac. Allez, café au lait. Au galop. Au galop sur la plage. Tuc, 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 tuc. Est-ce qu'on peut passer par là? Ah bah tiens, il y a la lumière du portail de l'Ender. Allez, fonce. Au galop. Au galop. Vite, faut rejoindre le pont sec. Merde, je suis perdu. Ah, au secours, je suis perdu. C'est par là-bas. Eh, c'est pas cousin qui voulait faire une voie. C'est pour ça que ce serait éclairé, en fait.
Ceci explique cela. Oh oh. Non ! Au secours ! Il y a un squelette archer. Oh là, c'est dangereux par ici. Vite au galop ! J'ai passé trop de temps sur les poules de Pong. C'est vrai que t'en avais bavé, hein, mais t'étais bien content d'avoir... d'avoir gagné au niveau des poules de Pong. C'était bien. C'était bien. Ah mais merde! Attends. Je me souvenais pas que qu'il y avait plus d'escalier du... Mais qui c'est qui a saboté mon escalier? J'avais une descente, moi, du pont sec. J'ai pas l'air idiot, maintenant. Donc, tout à l'heure, en fait, sans m'en rendre compte, j'ai sauté avec le cheval du bord du truc. Ah, soupir, je suis plus à ça près. Allez, café au lait. Oh, c'est le meilleur. J'adore mon cheval. Et on pourrait... Comment dire? C'est peut-être difficile à croire pour ceux qui regardent, mais les chevaux ont individuellement leurs caractéristiques de capacité de saut, de santé, et ils ont leur caractère. Il y a des chevaux qui se cabrent beaucoup plus facilement pour un rien. Là, tout à l'heure, il s'est cabré parce que je faisais face à un précipice. Mais ils peuvent se cabrer dès qu'il y a un ennemi, dès qu'il y a une guêpe. Non, franchement, c'est extra. Et je trouve qu'ils ont bien bossé l'intelligence artificielle des chevaux dans Minecraft. Et café au lait, je l'adore. Je l'ai vraiment bien choisi. C'est un cheval, je m'entends bien avec. Allez, Zou, t'es retourné dans ton parc. Je sais pas si je peux lui donner une pomme. Non. Ah, je la mange devant lui. Ce sadisme. Oui, tu veux pas un petit peu de pomme? Non, il veut pas de pomme, café au lait. Je sais plus comment je le nourris moi-même. Bon, il sait très bien se démerder tout seul en broutant, mais bon. Voilà, ça c'est fait. Alors, que fais-je? J'ai pas mal de bois de boulot. Avec ce que j'ai, je pourrais... Alors, la pelle enchantée, je vais la laisser ici, avant de repartir. Oh la vache, le matos. Je vais prendre la pomme de terre empoisonnée parce que... Ou je sais pas, la chair de zombie, là, c'est... Ouais. Pour moi, c'est des cubes, dit une scène. Oui. Fan me dit, à mon avis, c'est ton cousin qui a cassé l'escalier, je le sens bien. C'est possible. Ah, ça se tient. Ça se tient par rapport à sa voix éclairée dans le désert. Il voulait peut-être faire la suite de mon... Je reverrai avec lui. Je reverrai avec lui. Ah. Qui a café au lait? C'est rigolo qu'il reste sur le même... Alors l'enclos est grand. Mais je sais pas pourquoi il reste là. C'est son coin. Il est content d'être là. À mon avis, il sent en sécurité. C'est vrai que l'autre côté, ça donne plutôt vers le désert. Hein, qui est ouvert vers le néant, là. Je comprends café au lait. Tu lui dis cash, fun fan, mon dieu. Ah, mais c'est vrai que c'est possible, hein. On peut le faire dans Minecraft. Ah là 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 là. C'est moi ou j'ai mal vu, il y a un truc là-bas. Oh mon dieu. J'ai failli regarder directement à la lunette un Enderman. Un Slenderman, pardon. Enfin, justement l'équivalent de l'Enderman. Allez, chariot. Allez, on repart dans l'autre sens. D'ailleurs, je suis en train de me dire mon agenda, je pourrais vous l'éditer quand je suis dans un moment de pause en train de jouer. Comme tout à l'heure, j'ai fait
fait directement de ma cuisine, temps réel. Moment, je pense que je donnerai un nom de rue, enfin d'artère de circulation à Tunsen aussi, ça arrivera. Bon, même si Tunsen pour le moment ne diffuse pas, mais que c'est un projet. Mais... à force d'étendre la ville, voilà, il faudra bien qu'on se repère, donc autant donner des noms de rue comme ça, c'est beaucoup plus sympa. Parce que dans l'autre sens, l'aiguillage est différent. Eh ben, c'est bien d'avoir ramené du bois de boulot. J'ai envie de dire mission réussie. Oh, puis je vais remonter à la surface quand il va faire jour. Tout bénef. Donc du coup, je vais pas les miner tout de suite. Permet de faire varier les plaisirs. Alors, dans ma rue, les femmes devront circuler avec des chameaux. Oh, n'importe quoi. Ah ouais, non, la double troll, la fun fan. Mon dieu, et je compte sur Nashelman pour faire respecter cette loi. Non, mais n'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Alors, le bois, je vais le ranger dans le coffre consacré. Il y aura aussi des gens qui font des trucs avec leur chapeau. Ouais. C'est quel perso dans Mortal Kombat qui fait qui décapite les gens avec son chapeau sombrero qui est en fait une scie circulaire? Il y a un perso comme ça dans Mortal Kombat. Il a des airs de mexicain et le chapeau sombrero, bzzzum, il décapite ses ennemis. Ah oui, le clip. Ah oui, oh là là, le fou rire. Oh là là, c'était dans The Nomad Soul. Dans The Nomad Soul, c'est sur la chaîne à Fun Fan, Nashelman. C'est du Fun Fan tout craché. Ce soir-là, il m'a fait. Mais alors, c'était la rigolade. Ah là 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 là. Aïe aïe aïe. Ouais, j'ai hâte de repiquer un arbre de la jungle là. Bon, est-ce que je me lance dans la construction d'une autre une autre bâtisse? Ça serait pas mal. J'ai envie de dire oui, mais quoi? Pépito, non. J'imagine la version trash de Pépito, tu sais. En fait, les bords rouges sur son chapeau, c'est le sang de ses adversaires. Ah.
Aïe, Pépito! Aïe, aïe, aïe. C'est moi où il y a un trou? Pourquoi il y a un trou là-bas? Oh, il y a une explosion, je crois savoir. Ah oui, t'as vu le clip. Ah là 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 là. Re Théo. Je vais tant que je suis là, je vais reboucher le trou sur la, on va dire la brèche de la plateforme, parce que j'aurai pas la conscience tranquille tant que je l'aurai pas réparé. Mince, j'aurais dû passer par-dessus parce que là je me coltine les eaux usées. Voilà. Donc je pense qu'il faut, hop, rajouter une torche là. Oui, ça manque un peu d'éclairage. Ah, ça va s'embellir au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Point, 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 point. Et encore, si à terme j'ouvrais l'entrepôt alpha. Et j'ai ma petite idée. Je vais trichoter avec les égouts. Ce serait pas pour me déplaire. Mais du coup, je vais faire une surcouche de. Oh mon Dieu. Pardon. Je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis. Les chefs des policiers. Et on pourra faire de superbes trucs pas si loin d'ici. D'ailleurs, merci à Cousin Rio d'avoir trouvé le biome. On a le biome de la Mesa avec les terracottas, c'est-à-dire que c'est des variantes de terre glaise colorée. Et je me suis pas encore amusé à extraire des choses de là-bas. Il faudrait que je fasse une voie, un tunnel vers là-bas. C'est un objectif à faire, ça. Et on fera de ces bâtiments colorés des façades magnifiques. Mais là, je reste un peu sur la pierre et le bois. Un peu rustique pour le moment. Hein. Mais ça va bouger. Non, il y a vraiment de belles choses en perspective à venir dans Minecraft dans les mois à venir. Il y a vraiment plein plein de choses à faire. C'est vrai que en pierre de des enfers, ça peut être pas mal un bâtiment entrepôt. Ah, c'est un objectif qui serait pas pour me déplaire. Si je prenais le risque d'aller dans les enfers. Bah, pas si loin d'ici, il y a mon crâne pour aller dans les enfers. Oh, je refais quand même pas un portail tout de suite ici, ce serait. Non, ce serait couillon. Ah, je ferai l'extérieur plus tard.
Le sol, ouais, je crois peut-être des dalles de grès, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc si je réfléchis bien... Attends, si je vais là-bas... Ah. Non, la durée de poli, ça fera l'affaire, la durée de poli. On va pas chercher midi à 14h non plus. Donc je retourne voir le bois et j'essaie de faire pas mal de coffres. Ça peut être une bonne idée. Du coup, peut-être qu'ici, à terme, je remanierai. Ouais, à voir. Et je m'étais pas fait un établi dans le coin. Oui, m'étonne un peu. Est-ce que je pourrais toujours... ouais, je vais me mettre là. Parce que si je fais ça... voilà. Ça me fait 64... c'est énorme déjà, 64 coffres. Si là, je mets le mur du bâtiment... Mais la neige va forcément fondre, mais c'est un repère. Comment j'organise? Ça va être particulier mon truc. Que je vais me retrouver avec là je mettrai un coffre là. Là il faudra que je fasse. Ah non, même pas par rapport au truc, non ça va être là, ça tient pas, ma théorie est pas bonne. Voilà, par rapport au mur, clac clac clac. Ouais, moi ça va donner un truc de ce genre là. Du coup, moi, si je fais un bâtiment comme ça, donc les égouts vont passer en coude là, ça se tient. Ça se tient parfaitement. Circulation, je mettrai un truc comme ça. Tac, tac, tac. Tac, tac. Ouais, voilà, il y aura de ça. Ouais, je vais peut-être me faire un super giga entrepôt, mais un truc vraiment qui est de la tronche, bien rangé, bien trié. J'en ai un, Vix. Donc je mettrai ça là en attendant. Tac. Ouais, bah je vais me faire attaquer par... Ouais, c'est pas le moment de mettre les... Faut que je rentre à l'abri. Parce que là, les monstres vont apparaître. Mais l'idée est bien là. Pareil, là-bas, qu'est-ce que je vais mettre? Ben, enfin, on le voit mal, là. Ouais, plutôt là, voilà. Là où je mets mon regard, il faut... Cet espace-là, il faut que je le fasse en pierre, et je pourrais peut-être mettre quelque chose de pertinent, là. Mais je sais pas encore quoi.
à côté de la cheminée là, de les fourneaux de travail là qui sont en contrebas. Truc pratique également à coller au mur de la bibliothèque, mais oh. J'ai pas l'idée là. Ouais, ça me donnera plus tard. Ouais, je sais pas. Ouais. J'avais quoi là qui traînait dans mes... Ah ouais, j'ai quand même pas mal de bazar. J'ai pas mal de bazar qui traîne. Ah, c'est agréable le cadre champêtre avec... Ah, franchement, les fougères, j'adore les fougères. Pourquoi rien n'est rond? Pour le moment, rien n'est rond. Néron. L'empereur Néron. Je viens de flipper, j'ai l'impression que mon four vient de s'allumer automatiquement. Alors qu'il n'est pas programmé pour, j'ai une baisse de tension en électricité. J'ai parfois un faux contact avec la bolette de mon four quand il est mal fermé. Bref. Oh, il est 20h, j'ai toujours 27 chez moi. Alors que j'ai pas le chauffage, puisqu'on est en été. Je pourrais avoir 7 degrés de moins que je serais bien. Bon, allez, 5 degrés de moins, je serais tip top. À 22 degrés, allez, je signe tout de suite. Là, j'ai trop chaud. Bref. Tac, tac, tac. Pardon, je suis dans ma... Il est fléchi. Un col de l'histoire de 6/9e. Ouh, vache. Oh, le gang des archers. Ah bah tiens. A disparu. Aïe. Eh ouais, si ouais, les herdas polis, je peux les retravailler en... Bah là, comme ça, en surface de... Ouais, bah en surface de bâtiment, quoi. Au final. L'idée d'avoir un bâtiment, je sais pas lequel, mais... Mais enfin, bon...
Ah oui, déjà 20 heures. Bon appétit si vous passez à table. Zazizou, zaz à table. Oh. Pipi. Merde, oh, je suis tombé. Aïe, aïe, aïe. J'ai glissé, chef. C'est quoi, c'est pleine lune ce soir? Ah oui, non. Eh, pas mal cette image. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Alors... Ah, rien ne m'interdit de faire un damier. Peut être pas mal. Ah, oh, il faudrait que je récolte de la roche des enfers. Ça me plairait à mort. Pop. Et je ferais un beau gros bâtiment. Stockage de... Et à terme, de toute façon, sur ma plateforme, je vous laisserai des emplacements libres. C'est-à-dire que je dirais pas presque terrain à vendre dans l'idée. Où vous pourrez construire. Parce que là, j'impose dans les médias mes bâtiments sur ma plateforme. Mais je pense qu'il y a, dans les mois à venir, il y a des joueurs qui viendront se greffer à la partie. Et puis, ce sera sympa qu'il y ait des endroits définis de construction pour ceux qui le souhaitent. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Il me faut une pioche spéciale touchée de soie. Parce que je vais péter finalement le mur. Ce mur là. Pioche touchée de soie. Ah bah on l'a une. Ouais, je vais prendre celle-là. Et ça va me permettre de... De décaler, ouais, le mur là. Ouais. Si je prends une pioche classique, comme c'est de la roche sensible, ça, je vais la transformer avec une pioche normale. De l'intérêt de prendre une pioche avec un effet touché de soie pour pas dénaturer la texture d'origine. Parce que c'est une roche cuite à la base, pardon. Je vais y arriver. Oui, bon app, FunFan. J'ai senti le message pour FunFan. Oui, bon app. Oui, moi je mange. Ça parle mal, qu'une scène. Comme si FunFan était un diablotin. Eh bé. Ah! Mon Dieu! Le clic d'être.
La clé cadetra. Voilà, et là, tac tac, et là, à partir de là, encore que le sous-sol, je peux le garder en pierre comme ça. La partie supérieure, je pourrais faire en pierre de. Ouais. En pierre de prout-prout, là. Hop là, là, c'est tout trouvé. Donc là, je fais du. Hop. Hop, 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 hop. 4, 5, voilà, tac. Est-ce que j'irai jusqu'au bout? Je pense pas. Ouais, parce que moi, là, il y aura le poc poc. Ouais. Et du coup, ça va faire un giga. J'aurais besoin, ouais, d'avoir un entrepôt ici énorme. Au niveau de la plateforme. Ouais, bonne app, bonne fan. Ah, vous êtes terrible. Vous imaginez le boxon, si ça devait arriver dans le futur. On est un petit comité en bande de beaux copains entre nous qui on se compte là actuellement sur les doigts de la main. Imaginez que nous soyons 10 fois plus, ne serait-ce que 10 fois plus. Chacun avec ses petites habitudes, ça va être un foutoir. Ça arrivera peut-être, je sais pas. Et puis moi, vous me connaissez, je serais capable d'alimenter le truc, de rajouter des fantaisies, voilà, jour après jour, ça va être... Wouh! Enfin, c'est bien, au moins on exploite à fond la technologie, mais ça va donner de ces trucs. Je sais pas pourquoi, j'ai le pressentiment que... Déjà, là, on s'éclate bien, et je vous remercie hein, d'être là. C'est un vrai bonheur partagé, mais je pressens que le meilleur est à venir. Je sens qu'on va monter en puissance dans des trucs... Mais bien quoi, c'est... Ah là 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 là, comme on dit, la mayonnaise prend. Là je sens qu'il y a une base de... bien. Ah. Ah là 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 là. Ça y est, ce soir c'est Twinsen le DJ. C'est lui qui joue avec les sons désormais. La touche de soie, je vais la garder ici, ouais. En dépannage. Pam 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 padam. Pam 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 padam. Faudrait que je me fasse ouais, un escalier. Bon là j'ai accès à la voirie mais bon. Avec des roches cuites. J'aurais pu passer par au-dessus, mais bon, bref, c'est pas grave. Ah, dangereux ici. J'étais pas repassé, mais ouais, vaut mieux que je mette de la lumière là, parce que de nuit, c'est un coup à gérer des monstres. Ouais, bon app, Nash. Bon appétit, ouais bah oui c'est l'heure. Mais même moi je vais me refaire de la flotte, j'ai fait dire de la compote. Oui c'est parce que je pense mon sirop de jus de pomme. J'aime beaucoup le sirop de jus de pomme là, en ce moment. Ah c'est ma période on va dire. Mon cerveau, mon délicieux cerveau me dit de faire ça déjà. Prendre de la roche lisse. Ouais, et pierre des abîmes, une fois qu'elle est cuite, ça donne de l'ardoise des abîmes, sauf que je n'en ai plus beaucoup. Ah, puis il y a de la poly aussi. Vache, il y a des sous-combinaisons. Les fourneaux sont prêts, là, et oh. Attendez, là, je vais cuire un max de pierre des abîmes.
Hop là. Ouais, genre, je regarde un peu des échantillons. Mais de toute façon, j'en ai trop là. Par rapport à mon nombre. Faut pas déconner quand même. Mon nombre de fourneaux, j'en ai une tripotée là. Et Ah, c'est le gabarit chaîne à l'usine. Ouais, bah je l'ai remis là. Ouais, faire une pizza. T'imagines, une scène? Là, je peux te faire 16 pizzas simultanément. Ah là 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 là. Tiens, en parlant de pizza. Ah bah non, je vais pas, non. Parce que vous êtes à table, donc je vais pas. Je m'interdis de parler de ça maintenant. Tant pis, j'aurais dû y penser plus tôt. Peut-être qu'on en reparlera demain. Quand je prends le camion, tiens. On verra. Bref. La diorite poly, j'avais la diorite poly quelque part. Je peux reprendre la roche. Je l'ai rangée chez moi, la diorite poly, c'est ça en fait. Ouais, un peu de vitre blanche. La diorite poly était rangée chez moi. Ah, soupir, la diorite poly, elle est là. Ah, tu es en chat lent. J'ai au moins une minute de décalage. Oui, il y a peut-être un décalage. C'est une scène. La technique, hein, tu connais. Voilà. C'est pas la fin du monde. Ça se resynchronisera demain matin quand je relancerai. Va, t'en fais pour. J'ai pas pensé au toit. Pali, pali, poula. Les toits, vaut mieux les faire en dalle. Histoire qu'il n'y ait pas de. Pardon, de cochonnerie qui se génère au-dessus. Ouais, mais là, je vais éviter des dalles en bois puisque ça est exposé aux éclairs. Eh ben, on va prendre la diorite pas poli, va, tant pis. Tant pis. Voilà. Ce qui fait que je peux m'amuser. Donc là, du coup, moi, je vais faire ça. Voilà. Ouais, je répéterai les trucs après. Il y a des flammes qui sont proches. Ah! J'ai cliqué trop généreusement.
Ça fait un bâtiment de plus. À quoi ça va servir? Voilà ma réponse. Mais bon, bref. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. D'ailleurs, oh, j'ai envie de tenter une expérience ici. Alors attends. Ouais, en attendant. Hop là. Ah bah. C'est vrai que je suis joueur solo là. Je peux provoquer ce jour. Ah oui, non, là, il y a un truc qui fait tâche, effectivement. Oui, bah oui, mais non, mais oui. Non, il faut que j'en rajoute, là, des dalles. Ça va pas, mon histoire. Ça va pas. Voilà. Ce n'est pas logique. Ouch, j'ai réussi. Encore que je pourrais refaire une entrée là, je sais pas, je verrai. Je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée. Parce que par rapport à... Ouais. Ah, là-haut, c'était stylé. Et du coup, mon cerveau bug. Oui, ça y est, je sais ce que je voulais faire. Pardon. Trois petits tableaux, petit. Donc ça, je... Non, pas ça. Je peux le reposer. Ouais. Wow. Ouais, impressionnant. Ah, deux fois le même. Mais non, mais... Oh, c'est pareil. Voilà, il y en a d'autres dans le même format. Voilà. Je pensais plus que j'en avais fait trois, mais en fait deux suffisent.
C'est con, mais ça fait stylé. Alors la pièce entre guillemets qui sert à rien. Je pourrais presque. Hey! C'est pas mal du tout. C'est pas pour me déplaire, tiens. La pièce de la contemplation. Ça pourrait le rester sans déconner, parce que comme là il y aura un bras de mer que je vais laisser. On verra quelle plateforme je ferai plus tard à terme, mais ça pourrait être un lieu de. Oui, il est à table. Oui, je sais pas s'il nous écoute, Nash Bonap. Je sais pas s'il est resté connecté au canal. Bonap à lui. Ouais. On va ajouter deux petites portes à l'occasion et puis ce sera très bien. Bah, tu me diras, je peux faire le tour maintenant. Bah, j'ai pas des portes en bois de sapin, je les adore celles-là. Les portes en bois de sapin. Tigidigidigidigidigidé. Non, elles sont pas là. Ah, elles sont là. Voilà, c'est ces belles portes là que je manipule. Je vais en mettre là aussi. Pom, pom, pom. Voilà. Hop là. Ah. Ouais, pas mal. Démangeaison dans le dos. Donc en bas que je pose les bases des colonnes. Des colonnes. Je pourrais faire un. Ouais, mais là je triche en fait dans la. C'est vrai que je triche dans la. Dans la taille du schmilblick. Ouais, je reverrai les extensions après. Je vais pas trop m'étendre tout de suite non plus, mais. Eh bien, ça se construit, ça se construit. Je vais normalement les fourneaux, je sais pas où ils en sont dans la cuisson des roches. La cuisson des roches. La cuisson des roches. Cuisson des roches. Oh yes, c'est fini. Non, je vais passer par au-dessus. Mince, c'est le même chemin.
Presque. À une porte près. Il va faire nuit, alors attends, je vais rentrer dans ma... Dans ma casbah. Je vais aller dans ma piole. Pourquoi? Je vais profiter de la pause, moi, pour vidanger ma vessie et me préparer une nouvelle bouteille de flotte. Ça fait un petit moment que j'ai pas bu de la flotte. Donc vous allez pouvoir admirer le soleil qui se couche. Voilà. À tout de suite. Je reviens dans 3-4 minutes. Du coup, je vais en profiter pour faire 2-3 manips. Je moque 3-5 minutes. Si tu veux te défouler avec les sons fan-fan, c'est maintenant.
Wow. Encore deux petites minutes, pardon. Je viens de changer mon sirop de cerise pour une combinaison cerise-cola pour voir. C'est particulier. C'est pas dégueu, mais c'est particulier. Là, me revoili voilio. Excusez-moi, je me réinstalle. Bon, alors. Hic. Oula, t'as fait. Plus de VRC. Une scène VHS, data. Orage, pluie bizarre. Eh, pas mal. Ouais, la peur du creeper, il faut la voir constamment pour pas... Ouais. J'ai tellement peur qu'ils se déplacent de manière aléatoire. Moi. J'ai pas là. Qui n'exclut pas d'ailleurs dans cet entrepôt
Éventuellement faire un jeu de chariot pour faire circuler la marchandise de manière mécanique. Mais de là, imaginer hein, comme une espèce de téléphérique de marchandises dans le village. Pourquoi pas? Mais il faudrait que je m'arrange pour faire. Mais c'est un chantier titanesque. Parce que là, on est au-dessus de la mer, voire de l'océan. Il faudrait que je parvienne à faire un point d'accès. Mais vraiment un gros accès vers les profondeurs. Avec le rail qui permettrait d'extraire. Mais ça nous permettrait d'exploiter toute une zone en sous-sol pour en extraire les matières. Et. C'est la philosophie à la Minecraft, j'ai envie de dire, la manière de penser du jeu. Je le sens bien. Ça se tient. J'ai mal dilué. J'ai mis trop de sirop, on voit. Mon eau, elle est trop colorée. Il faut que... Ah! Le parfum, je suis pas contre. Mais je l'ai trop concentré. Moi, je préfère quand c'est plus de la flotte, là. Là, j'ai l'impression d'avoir avalé un cube de sucre. J'aime pas ça. Bref. Ah, ça me laisse un goût bizarre en bouche. C'est plus fort que si j'avais dégusté une friandise. Bref, ça va passer. Il y a pire que ça, évidemment. Mais bon. Donc là, je rouvrirai clac, clac, clac. Il y aura de l'eau qui passera par là aussi. Petit à petit, ça se construit. Ça se construit. Alors, précieuse roche cuite. Je pourrais presque laisser un écriteau en disant que pas touche à ces coffres. Non, j'ai même pas d'écriteau ici. Oh, scandaleux. Et là, j'avais quoi? Ardoise cuite. Ah, ben voilà. Ouais, ouf, c'est... Ouais, bref, crotte. Je veux pas, hein, faire dans le détail. Tibidi. Oh, je serais tenté d'aller dans les enfers pour récolter la. En même temps. Oh, j'ai pas fait. Je suis pas raisonnable parce que j'ai pas pesé les murs. Ah, je mets la charrue avant les bœufs. Faut vraiment que je construise de manière classe le. Et ordonner le bâtiment. Alors attends, est-ce que je vais essayer de réparer cette. On va dire cet accident. C'était un creeper en plus. Comment je tiens de la. Voilà, merci. C'est ce que je voulais. Bagadia. Je clique de souris, félon. Je vais me faire un autre escalier là. Ouais, je vais. Hop. Fini le délire. Hop. Je me ferai un autre escalier. Oui, en attendant, allez.
Ouais. Fouet, fouet, fouet. Pelle, 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 pelle. Je pourrais faire un beau bâtiment, hein. Je peux vraiment faire un truc vraiment stylé. 1, 2, 3, 4, tac. Faut vraiment que j'ai pas d'ennemis qui me pètent à la tronche. 1, 2, 3, 4, 5, tac. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Mais est-ce que je serais... Bah non. Ouais. Là-bas, il y a de la triche. Je sais pas pourquoi j'ai triché là. Tant pis. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, du coup, je vais avoir un décalage. Bateau, bateau. Bateau, bateau. Tant pis, là je prends un truc particulier là. Ouais, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Attends, je regarde l'heure parce que dans un quart d'heure on est censé faire le tableau mystère. Donc. Ah, j'ai plus envie de boire de ma flotte. Faudrait que je prenne un autre contenant pour diluer davantage la solution là. Mon mug, s'il pouvait être. Bah, il est quasiment propre, ouais. Mais il faudrait que je me relève pour. Oh, je le ferai quand on fera le tableau mystère là. Je vous laisserai chercher sur le tableau mystère le temps d'aller me chercher un mug de flotte à moitié rempli pour diluer ma solution. Pour qu'elle soit davantage buvable selon mes critères gustatifs. Tout est dit. Ah, cette musique. Ah, j'ai un Underman, je l'ai entendu, il va me casser les mirettes celui-là, je le sens. Ah, l'Underman qui va me briser les 1.
Scrotum. Pam, c'est pas ce que je voulais faire. Eh ben dis donc, voilà la structure. Structure de fou. Vache. Pour peu que je fasse un super entrepôt là sur plusieurs étages. Après, assez rapidement, une fois que j'aurai fait cet entrepôt géant là sur plusieurs étages, il faut vraiment que je pense au point de sortie par rapport à ce que je vous ai dit en souterrain, alors qu'on est en pleine mer. Ça va être balèze techniquement, mais une fois que ce sera fait, ça va être top. Je vais pouvoir dégueuler en matière première, ce sera bien. Ah, l'Enderman, salopard, il m'a déposé les graviers en fait. C'était lui qui a... Merdoum. Faudrait que je revoie là. Ouais, c'est ça. Je reste obstiné, je m'imprègne du quadrillage que je suis en train de faire parce que je me dis là je vais mettre des coffres, là on va circuler, et là va y avoir le rail de distribution du Schmilbic. À mon avis ça va être la partie centrale là où va y avoir en colimaçon en quelque sorte le clac clac clac. Le rail avec... Je pense que là je vais mettre un escalier en colimaçon central pour nous humains et plus large la partie extérieure, le colimaçon du rail. Et le mur extérieur, là, des bords, ce sera vraiment des armoires de coffres, de matière. Ça se tient. Il y aura une colonne vertébrale et... Il y a... La partie là, spéciale extension souterraine, ce sera le bazar en vrac. Qu'on ne sait pas ranger, déposer, ce sera... Hop, à balancer là. Je pense même qu'au final, les chariots iront choir là-bas au fond. Avant de les vider, de les relancer, dans le réinjecter dans le circuit. Il y a quelque chose. Il y a une logique. Il y a... Ça se tient. Attendez, je vais rajouter les cubes qui sont manquants.
Oups, là aussi je ferai un truc. Je sais pas quoi encore, mais je ferai un truc. L'espace n'est jamais perdu avec moi dans Minecraft. Allez, on est à 10 minutes du... Même pas, à moins de 10 minutes du tableau mystère. Tungsten, là, il est en train de devenir tout fou. Ah là 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 là. Ouais, je ferai rien de plus pour aujourd'hui. J'y rejouerai en semaine, peut-être déjà mardi soir, on verra. Là, tac, tac, tac. Ouais, les dalles. Oh, si j'avais les dalles. Ouais, c'est que de la pose de dalle. Ah, les ch'tis fougères, tout ça. Ouais, je trouve un luminaire. Je vais peut-être finir par ça. Tiens, les 5 dernières minutes. Chercher un style de luminaire rien que pour le parc. Est-ce que je pourrais pas faire un système de... De lanterne suspendue. Oui, mais comment? Oh, je sais pas. J'ai une idée. J'ai une idée et je vous avouerai que je sais pas quel va en être le rendu, mais ça se tente. En quelle matière je vais me le faire? Comment s'appelle cette matière? Ouais, l'andésite. Avec de l'andésite. Mon surplus de lanterne, je l'avais rangé où? Je sais même plus où j'avais rangé mon surplus de lanterne, merde. Mince, pardon. Ouais. Ça, quelque chose me dit que ça va le faire. L'idée est pas pour me déplaire. Et poser des lanternes dessus. Je les ai rangées dans le... Les lanternes. Quand j'ai fait la bibliothèque. Non, c'est pas là. Je l'aurais mis déjà dans le truc au Sherfa. Je l'aurais mis là-dedans. Mais non, le bois, ça peut pas être là. Bon, tiens, j'en profite pour reprendre des torches, mais... Où est-ce que j'ai rangé les lanternes? Bah, je les ai pas vus et je les aurais rangés dans mon coffre, fourre-tout. Ah non, je les vois pas, elles sont pas là. Pas pour ce que ça coûte, hein, je peux m'en refaire, mais bon.
C'est pas pour ce que ça coûte. Allez hop, 36, non. Par contre, il serait bon que je les place... Oh la vache. Attends, là, ça fait 1, 2, 3... Si, ça se tient. Non, non, pas haute. J'ai failli les mettre... Hé hey ! Ça me plaît. Bonne hauteur, en plus, je trouve. Attendez voir. Attendez voir, attendez voir. Merde! Oh! Je voulais taper le truc devant moi, j'ai bousillé une fougère. Bon, heureusement que j'en ai pris plusieurs. Mais Eh, ça fait pas mal comme éclairage de parc. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'en mets une là contre l'arbre. Donc là, ça va être pareil. Ah merde, une fougère. Je veux pas bousiller la fougère. Merdoum. Justement. Le coup des lingots de fer, il faut que je me fasse une tondeuse pour extraire proprement le... La fougère, si je veux pas la bousiller. Enfin, une cisaille, pardon, une tondeuse. Je me suis compris. Voilà. Et une fois que j'aurai posé cette quatrième lanterne, lampion de parc, on va passer au tableau mystère. Je serai quasiment réglo dans mon chrono. Dans mes horaires. Allez, viens ici, ma belle. Voilà. Là, je l'ai récolté sans la bousiller. Hop. Fougère, on peut la mettre là en attendant. Ah! Bien ou bien? Ah! Petit parc sympa. Bon, Zou, je rentre chez moi. La nuit, il y a les créatures hostiles. Ah! Vie! Cool! Je suis content de ce que j'ai fait. Allez, on va passer au tableau mystère. Tableau mystère. Bon, moi je mets déjà chatting pour le... Voilà. La discussion. Allez Zou. Point d'exclamation TM. Je vous laisse encore le temps de donner vos réponses. Le temps que j'ouvre mon tableur. Que je m'amuse à aller refaire ma flotte. Tableau mystère, point d'exclamation TM, je vous laisse jouer. Pam, 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 pam. Ah, puis il faut que je me connecte aussi à votre liste de vos réponses. Ah, mon dieu. Oula. Oula. Waouh, il y a déjà 18 enregistrements. Ah, vous m'avez déjà donné du boulot, ouais. Bon, allez, je remplis mon... Je dilue mon histoire de sirop trop fort. Ah, ça me laisse 2 minutes pour jouer, le temps que je commence à inspecter vos réponses.
je pense que ce sera beaucoup mieux une fois dilué là, parce que d'ailleurs c'est bête, mais ma bouteille. Maintenant que je l'ai un peu vidé, je vais pouvoir rajouter de l'eau en cascade. Ah oui, là, je l'ai beaucoup mieux dilué, je suis ravi. Ah ben, c'est bien, j'ai une bouteille de flotte et un mug à boire ce soir. Oh, merde. Je m'énerve quand la... Quand celle-là, elle s'ouvre alors que je ne demande rien. Qu'est-ce que c'était que ce son de fou furieux? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bien, oui, tu tentes ta chance, une fan. Ou pas, donc. Attendez, je vais regarder les réponses. Pardon. Alors, déjà, je vais peut-être me copier-coller les... Ouais, je vérifie comme quoi vous voyez pas ce que j'ai à l'écran au niveau de mes réponses. Oh, la webcam, je lui mets des beignes, mais trop facilement. Ah, mais je crois que je vous l'avais pas montré, ma nouvelle version du tableau mystère, vous avez vu? J'avais retravaillé ma scène. Je trouve qu'elle est pas mal comme ça. En plus, du coup, vous voyez ma tronche en même temps. Ce qui n'était pas le cas avant, je crois. Je crois que j'étais plus uniquement caché. Voilà, avec les instructions. Nickel. Alors, c'est le numéro 22 de tableau. Il y a 8 réponses. J'attends 8 réponses de vous. Eh oui, tableau 22, il y a 8 jeux vidéo qui composent ce photomontage. Ça fait peur, il y a peur. Faut que je vérifie tout ça, moi. Alors, je vais faire dans l'ordre de mes réponses à moi. Alors, tableur. Je cherche une première réponse. Ah, Dragon Sky m'a donné une bonne réponse. Twin Sen m'a donné la bonne réponse. Ok. Alors. Oui, j'aurais pas assez de... Oula. Il va être énorme celui-là. Alors, j'ai Dragon Sky qui m'a donné une bonne réponse. Ainsi que Twin Sen. Ah oui, il va falloir que je place mes... Mais déjà trouvé là. Mais non. Voilà. Alors, on a déjà trouvé. Oh, c'est une gymnastique pour moi, vous avez pas idée. La gymnastique de fou que ça représente. Voilà, déjà trouvé le jeu du petit crapaud avec les nénuphars symboliques. C'est Perestroïka, un jeu russe, hein, le nom Perestroïka, qui fait référence à une crise économique majeure de la Russie dans son histoire. D'ailleurs, vérifiez, je parle pas russe, mais je sais plus si Perestroïka veut pas dire banqueroute. J'ai un doute. Bref, bonne réponse de Twin Sen et de Dragon Sky sur ce jeu-là. Très bien. Je vais vous attribuer 500 points à chacun, là. Bien joué, les gars. Alors.
Dragon Sky 57, hein, je crois. Dragon Sky, oui, 500. Tac, 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 tac. Une scène Twitch 500. Mais j'ai jamais essayé ma commande cadeau avec une faute de frappe. Il faut que j'essaye. Si je mets un pseudo qui n'existe pas, A, B, C, D, E, F, test par exemple, et que je dis que je donne un point, il se passe quelque chose? Ah oui, il m'a peut-être carrément créé le compte. Ouais, bref. Ah, soupir. Alors, je vais virer les bonnes réponses du coup, parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Donc Dragon Sky, hop, je vire la bonne réponse, elle a été comptabilisée. Twin Sen, pareil. La vache, vous aviez joué le week-end dernier. Ça date du 8-8. Alors, une deuxième réponse que j'attends de vous. Ah! Oh la vache, Twin Sen a trouvé. Twin Sen est le seul à avoir trouvé. Il est redoutable. Puis incontestable, hein, il m'a donné la réponse complète. Sauf que même moi, je sais même plus ce que c'est. Ah oui, ça y est, je sais ce que c'est. A été trouvé, là, sur le côté, le joueur de foot. En fait, c'était FIFA 97. C'était la modélisation des joueurs dans FIFA 97. Merde, homme. Attention que je me plante pas. 500 points encore pour une scène. Reconstruction. Merci, FunFan. Reconstruction Perestroïka en russe. D'accord. Merci tout plein, FunFan. T'es un chef. Alors. Pac. Oh! Alors celui-là. J'ai envie de dire, la réponse là, je l'attends de la part de Bombastos. Il faut. Alors j'espère que Bombastos a participé. Alors. J'ai une première bonne réponse, bah, de Twin Sen, forcément. On se demande qui d'autre ça aurait pu être. Bonne réponse de FunFan aussi. Ah, que t'as complété par la suite, c'est très bien. C'est très bien. Ouais, tu t'en souvenais pas, mais en fait, tu m'as donné deux fois la même réponse à une semaine d'intervalle. Mais c'est bien. Alors, je suis un peu tristouné que Bombastos n'ait pas pris le temps d'y jouer. Enfin, d'y jouer. Là, justement, dans mon tableau mystère. Parce que ça lui aurait été offert. C'est dommage. Alors, je rajoute d'abord les points. Je fais mon vilain et seulement après, je le déclare trouvé. Merdôme. Attendez. Tu imagines, on crée un plan économique et on l'appelle la banqueroute. Personne serait ok. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est bien, je repense à ta vanne là sur Half-Life. Au lieu d'avoir des subventions, ils auraient des bombes atomiques dans la gueule. Celle-là, je l'avais adorée. C'est vrai en plus. Quand on y pense. Excellent. Attends, le déjà trouvé. J'ai le reflet de mon halogène là en lumière sur l'angle de mon écran. Je vois plus rien. Et c'est là où j'ai mes éléments de composition OBS. C'est une horreur. Oui, voilà, déjà. Bah, c'est celui-là, justement, le déjà trouvé. C'est celui-là. Je m'attendais à une réponse de Bastos parce que Bastos il l'a fait sur son antenne il n'y a pas longtemps.
C'était Oddworld Odyssey d'Eb. Donc bravo FunFan, bravo une scène, vous avez trouvé. Ah là là. Bonsoir Christella, j'espère que tu vas bien. Ah, t'arrives sur la fin là, c'est le tableau mystère. Si tu penses avoir des réponses, vas-y, rue-toi sur les... Je suis en train de compter les points, donc... si tu veux jouer au tableau mystère, Christella, j'espère que tu vas bien, hein, j'espère que tu ne souffres pas trop de la chaleur. Non, ça se rafraîchit pour tout le monde. Je suis en train de comptabiliser les points là dans le tableau mystère. Donc déjà trouvé FIFA 97, Perestroika en bas là, la grenouille avec les nénuphars, et en haut à l'angle, l'Odyssée d'Eb, Oddworld. Il reste encore 5 tableaux à trouver. Je vais regarder la quatrième réponse. Alors qu'est-ce qui n'a pas encore été trouvé? Message de FunFan 1992, Christella vient d'arriver. Ouais, merci, bisous tout plein. Attendez, je revérifie. Là, voilà, c'est bien, j'ai déjà purgé ça. Ah, bien. Bien. Oh la vache! Il y a Twinsen et Dragon Sky qui ont trouvé une autre bonne réponse. Twinsen et Dragon Sky qui ont trouvé une autre bonne réponse. Alors, Twinsen, Dragon Sky. Je vais à nouveau vous attribuer 500 points. Merde, vous m'attendez. Non, c'est pas ça, c'est ça qu'il faut que je mette. Alors, tu une scène. Dragon Sky, non, il était pas là. Dragon Sky 57, ouais. Voilà. La bonne réponse que j'attendais pour le jeu trouvé par Dragon Sky et une scène était. Paperboy 2. Le deuxième second volet de Paperboy, le livreur de journaux, qui est là. Alors, la suite. Vache. Ah, c'est bien, je vois que Chrisella fait des propositions. Alors, Wow, j'ai une pluie de bonnes réponses. Attendez, là, je suis en train de me laisser dépasser. Alors... J'ai une pluie de bonnes réponses. Ah là 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 là. Je laisse un petit délai à Christella. Je fais exprès de... d'un petit peu traîner. Alors, 500 points à FunFan et 500 points à Twinsen. Il faut pas que je me plante. Twinsen, à nouveau. FunFan, t'es où, t'es là, v'lain. Alors, est-ce que Christella m'aurait donné d'autres bonnes réponses? Pour le moment, non. Apparemment, Christella sèche sur les réponses. Mais c'est bien, gentil à vous de participer. C'est cool, ça fait plaisir. Alors là, je suis navré, Christella. Qui vient d'être trouvé, c'est Grand Theft Auto, effectivement. C'est pas le 2. C'est le 1 que j'attends. Je suis sévère, hein. Je suis sévère sur les opus. Mais... C'est ainsi. Aïe, 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 aïe. Allez, sixième jeu sur les 8. Je vais regarder, est-ce que j'ai eu des bonnes réponses. De Twinsen. Ah bah, il n'y a que Twinsen qui a trouvé.
Hop, l'autre jeu qui tombe était le suivant. Les têtes de Lego. J'attendais de vous Lego Loco. C'est une scène à trouver. Ouais, il reste deux jeux. Là, c'est trop tard, FunFan. Je peux pas t'accepter le GTA. Il est trop tard au moment où je l'ai... Mais non, mais je te l'ai compté, le GTA, en plus. Tu l'avais trouvé. C'est pas la peine de me le remettre. Mais là, je l'ai, j'ai déclaré déjà trouvé. C'est trop tard. Mais t'avais déjà tes points. C'est bon, tu l'avais fait avant. Alors, à un moment, Dragon Sky m'a parlé de Flicky, mais c'est pas Flicky. Alors là, je suis bien content. Parce qu'en fait, Twin Sen s'est planté et c'est Christella qui a la bonne réponse. Bonne réponse de Christella. Ah, ça c'est cool, ça fait plaisir. Effectivement, c'est bien Anno 1602 qu'il fallait trouver. Alors que là où Twin Sen s'est planté, c'est qu'il m'a proposé 1662. Bien joué, Christella. Je t'attribue tes points. Là, tu vois, c'est bien, t'es venu au bon moment. Ouais, c'est bien, t'as gagné des points là. Comment ça, THS, FunFan? Ah oui, au niveau du tableau mystère. Attends, déjà, oui, j'ai fait la bonne commande. Et il reste le dernier. Le dernier jeu. Ah, Twin Cell est le seul à avoir trouvé. Le dernier jeu en CGA, en 4 couleurs, avec les chats. En fait, la réponse que j'attendais, c'était Alley Cat. Bonne réponse de Twin Cell. GG. Encore 500 points pour Twin Sen. Alors, je vais choisir un nouveau tableau. D'ailleurs, attendez, je vais même choisir une nouvelle couleur là. Dans le Schmilblick. Je vous dis tout de suite que vos réponses de ce soir, je les regarderai que dimanche prochain. Alors. Attendez, je vous lis. Si vous m'écrivez des trucs, je vous lis après. Je regarde un rapide coup d'œil. Ah, t'as toujours cédé du jeu, ouais, tu y as joué des heures. Ah, c'est bien que tu te sois éclaté sur le jeu là. Et la série des anneaux, elle est belle. Mais moi, j'aime bien l'opus. Peut-être que je vous le présenterai un jour sur mon antenne aussi. J'ai un des deux qui se passe dans le futur, qui est interprété moderne. J'aime bien les trucs futuristes. Ah oui, comme quoi, mon cher FunFan, même Christella, elle fait un peu des jeux de gestion. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre comme tableau qui n'est pas encore sorti? Celui-là, il était gratiné, hein. Il peut y avoir jusqu'à 9 jeux à trouver dans un tableau. Celui-là, on avait 8. Ils sont rares, les gratinés comme ça. Déjà, quand je vais à 6, c'est waouh. Tiens. Est-ce que le 39 est déjà sorti? J'ai pas l'impression. Ouais, je vais même prendre le temps de mettre à jour mon agenda pendant que vous regarderez le tableau mystère avant que je fasse un relais de chaîne et que je remercie tout le monde. Je crois que le 39, vous l'avez jamais fait. Ouais. Il va y avoir 5 jeux à découvrir. Préparez-vous. Il va y avoir 5 jeux à découvrir, là, à trouver.
Le 39. Le 39, le 39. T'adores le jeu au début et puis après ça dégénère. Le 39, le 39. Ah, Tropico 5, ouais, en drôle, ouais. Allez, je retire les déjà trouvés. Bien joué sur toute une scène, évidemment. Hein. C'est le grand tueur de tableau, une scène. C'est le grand tueur de tableau. Prout, 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 prout. Ben, je sais même plus où est mon tableau affiché, là. Ah bah c'est là. J'ai dit le 39. À vos claviers. Le tableau numéro 39. Il arrive, c'est maintenant. J'attends 5 jeux, 5 réponses de votre part. Tableau numéro 39. Essayez de deviner comment est composée cette image. Bonne chance aux participants. Je regarderai vos réponses dimanche prochain. Nah. Dimanche prochain, on sera le 21. Déjà. Déjà. Merdoum. Je suis en train de me tromper. Voilà. Alors. Le temps que vous puissiez admirer le tableau mystère, vous avez 5 minutes devant vous parce que du coup je vais en profiter pour mettre en direct sur le Discord à jour. Numéro 39. Attendez, ouais, je vais faire basculer mon Discord là. Mais quand Windows aura cessé de me jouer des tours. Oh là là, j'ai une avalanche de messages de la part de tout le monde. Je vais avoir de la lecture ce soir. Ce soir, je vais prendre le temps en antenne de vous lire. Je vous m'avais envoyé, là, j'ai une dizaine de messages privés à lire sous Discord. Merci à vous de m'écrire. Voilà, je sens que je m'amuse comme un fou en regardant tout à l'heure Monsieur Poupon. Je sais pas si Monsieur Poupon prend son antenne. Donc, j'ai dit le 39. Tableau mystère, c'est le numéro 39. Pour cette semaine... Tac. Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est un tableau mystère que je veux. Le 39, il est là. Voilà. Voilà, comme ça, vous pourrez jouer. Ah, c'est bien, je vois. Ouais, c'est bien, je vois Jack. Il y a eu 4 propositions de Twin Sen, de Bastos et de Fanfan. Ah, alors, pendant ce temps, sur Twitch, oui, Poupon et ok. Il y a Morbo, ouais, mais je sais pas si. C'est vrai que Morbo, je sais pas. J'avouerai que j'ai envie de soutenir Monsieur Poupon. C'est vrai que j'aime bien Poupon aussi. Ah là 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 là. Alors, l'historique de ce qui s'est passé sur la chaîne, que je remercie qui de droit, comme on dit. Donc merci à hein, toi FunFan pour ta modération, les clips, et puis le relais de chaîne que tu m'avais fait tout à l'heure, comme on se les fait habituellement le dimanche. Merci tout plein à toi. Merci aux actes de fidélité de la part de Golden... Et d'un certain Lenny Barr. J'avais même pas vu Lenny Barr en plus, pardon. Petit Seb ce matin, ouais, qui m'a fait un relais de chaîne. Merci à lui.
Et puis toi, Fun Fan. Ouais, ça va, c'était un dimanche tranquille, Bénard. C'est cool. Alors. Que je fasse pas de bêtises. Oui, ben on va se laisser glisser tout doucement chez Monsieur Poupon. Si je puis dire. Poupon. Je retiens jamais. Oh, vous avez tous vos. Soit les années de naissance, les numéros de département. Ça s'embrouille dans ma tête. Poupon, c'est 29. Allez. Point. Merci à vous toutes et toutes. D'ici 90 secondes, cette chaîne s'auto-détruira. Non, sérieux. On va glisser en relais de chaîne chez Monsieur Poupon qui va peut-être va-t-il finir son Days Gone. Je trouve ça génial. Puis je vais commencer à lire vos messages. Bah, je vais commencer par toi, Fun Fan. J'ai manqué un appel. Ah merde, tu voulais me. Bah, t'as essayé de m'appeler tout à l'heure. Je suis en train de voir que t'as essayé de m'appeler vers 20h30, Fun Fan. Ah mon dieu! Je ferai pas de clip vu ce que tu m'as dit. Ah oui, bon. Comme tu le sens. Ah, bien, Bastos qui joue. Oui, alors c'est vrai que vous allez être déconnecté de mon chat quand vous le raid va se faire. À moins que vous dupliquiez votre onglet et que vous dites que vous voulez pas suivre le raid éventuellement. Enfin, bon, c'est un peu triste pour Monsieur Poupon. Vous vous reconnectez à mon chat. De toute façon, je viens de changer dans mon Discord. Je viens de changer le dans la rubrique dédiée. Voilà, j'ai mis à jour le tableau mystère. Pour ceux qui veulent le retrouver, vous connectez au Discord. Et puis, hop, c'est bon. C'est nickel. Pareil, si vous voulez m'écrire, hein, vous savez, vous avez l'adresse dédiée. Vous avez YouTube. Allez, hop, je balance tout. Bonne soirée. Bisous tout plein, merci Christella, bonne soirée tout le monde, prenez soin de vous. Moi je vous retrouve demain entre 9h et 10h, enfin bref, en matinée à partir de 9h on va dire plutôt, pour du Planet Crafter. Et merci à vous chers anonymes de m'avoir regardé. Ciao, ciao. Oh, je vais zapper sur du... Ma tronche en gros plat. Pour les abonnés. Parce que vous m'aimez bien. N'importe quoi. Bon, allez, tant que ça s'arrête là. Puis j'ai faim, et oh. Faut que j'aille croquer un morceau. Il est 21h30, j'ai rien becté. Pas bien. Ah. Mon logiciel OBS qui veut même plus arrêter la diffusion. Il veut plus arrêter la diffusion, le con. C'est quoi ce délire? Je suis pris en otage par Twitch. Mes audiences sont tellement folles avec tant de spectateurs. Ah, ça y est. Waouh. Et là, je coupe l'enregistrement. Merci, ciao, prenez soin de vous, bisous.